Bonjour Cécilia Attias. Bonjour. Bonjour Louis Sarkozy. Vous étiez la femme et le fils du président de la République quand votre père est entré à l'Élysée. Louis, vous aviez 10 ans. Vous aviez d'ailleurs déjà été enfant dans des ministères à Bercy, à Beauvau. Et vous écrivez aujourd'hui un livre. Ça s'appelle Une envie de désaccord. Et votre livre, c'est un échange de lettres presque à l'ancienne. Vraiment, cette relation épistolaire. Elle commence par mon chéri, la plupart du temps, quand c'est vos lettres, Cécilia. Elle commence par maman, évidemment, quand c'est les vôtres. C'est un appel au dialogue, à l'écoute, à la tolérance, et vous abordez de nombreux sujets, la religion, la politique, le féminisme. Mais d'abord, un paradoxe, parce que vous culpabilisez tout au long de votre livre parfois sur le fait d'avoir beaucoup exposé votre famille, votre couple, avec parfois des conséquences difficiles, le dites-vous, sur le moment, pour vos enfants. Et puis là, vous nous invitez à nouveau à votre table. Vous nous invitez presque au pied du sapin de Noël parce que vous nous racontez aussi ces moments-là. Vous parlez, vous, dans vos lettres, Louis, de Nicolas, Richard, Alex, David, Marie-Jeanne, Judith, vos autres enfants. En fait, vous partagez à nouveau votre intimité, presque comme si, au-delà de la culpabilité, on vous avait manqué. Ce lien vous avait manqué. Alors, j'aime beaucoup cette présentation. Je la trouve très jolie et très vraie, très proche de la vérité. En fait, on a essayé d'établir un dialogue entre deux générations, entre une mère et son fils, et montrer que c'est possible, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer intergénérationnels. Une éducation différente, un mode de vie différent. J'étais élevée en France, il a été élevé plus aux États-Unis. Et puis, il a fallu planter le cadre, c'est-à-dire pourquoi, sortant d'où, il a fallu planter la famille, raconter pourquoi ces discussions arrivent autour de la table, pourquoi entre une belle-fille qui est juive pratiquante, une fille qui est catholique pratiquante, un mari qui est juif non pratiquant, mon fils qui n'est pas athée mais non croyant comme il aime se définir. C'est une distinction très importante. Et donc c'est ces discussions-là qu'on a voulu, échanger entre nous de façon ancienne presque, un échange de lettres, mais il fallait planter le décor. Mais du coup, à nouveau, on rentre dans cette intimité, oui, que vous aviez un peu subie enfant quand même. Oui, un petit peu. Mais si vous voulez, dans le livre, les 50 ou les 60 premières pages, je dirais que c'est une contextualisation de l'œuvre. On se justifie, il y a beaucoup de personnel. Oui, si vous me permettez le terme. Du livre. Oui, parce que ces conversations, en vérité, se passent vraiment dans la salle à manger. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de transcrire dans le bouquin. Et après les 50 ou les 60 premières pages, il y a l'entrée dans le vrai débat des idées. On rentre dans le cœur du débat, d'abord sur la religion, après sur les femmes, sur le libre arbitre, etc. Donc, j'invite le lecteur à passer le premier cap, si ça l'intéresse, moi, bien sûr. Qui est en quelque sorte la méthodologie. On Bien pose sûr. En effet la méthode. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes partie de France il y a plus de 10 ans. Avant de parler de vos échanges, j'aimerais vous soumettre un certain nombre de ces questions qui sont effectivement au cœur de questions de religion, de féminisme, de politique. Vous qui êtes en France finalement que quelques jours, de temps en temps, et puis là au moment de la sortie de votre livre, quand vous voyez le climat qui règne en France, notamment à la croisée de ces questions de religion, de féminisme, d'éducation, la question sur le voile qui s'est à nouveau imposée par exemple depuis 2 semaines, est-ce que tout est en partie d'une phrase de Jean-Michel Blanquer qui dit « Le voile n'est pas souhaitable parce que ce qu'il dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs ». Est-ce que vous partagez cette idée-là, Cécilia Attias ? Je pense qu'on est vraiment à un tournant. On est à un tournant dans pas mal de domaines et il faut essayer d'aborder ce tournant le plus tranquillement possible et avec le plus de raison et de distance. Il faut que la tolérance règne aujourd'hui. Le port du voile est une vraie question, un vrai problème, mais qu'il faut essayer de dédramatiser tout ça, essayer d'en parler avec énormément de tolérance. Je pense qu'il y a trop de violence dans les termes, trop de violence dans pas mal de sujets d'ailleurs, non seulement le voile, mais la dépénalisation du cannabis, etc. Je trouve qu'on est vraiment à un tournant de notre société qu'il faut essayer d'aborder avec énormément d'ouverture d'esprit et énormément de tolérance. Et vous ? Vous savez, sur le sujet du voile, ce sujet qui est si nucléaire, pour reprendre l'expression qu'on utilise dans le livre, moi j'ai un problème quand je vois des policiers français essayer de légiférer le port du voile, même si j'ai mes opinions sur la vue de la femme de l'islam. Mais je ne vois pas comment on peut accepter que le gouvernement essaie de légiférer là-dessus. J'ai un vrai problème. Donc il ne faut pas légiférer ? Non, je pense que ça revient à la liberté individuelle. Mais ce que vous dites, c'est que le voile, il dit quand même quelque chose de la relation homme-femme ? Oh bah oui, mais vous savez, vous devez inviter quelqu'un qui est beaucoup plus expert sur la matière sur le sujet. Mais vous avez décidé de vous emparer de ces sujets, oui, de vous-même. Absolument, dans notre contexte et entre deux générations. Mais vous, justement, avec votre génération et puis avec le regard aussi depuis les États-Unis, vous dites que cette société aujourd'hui en France, elle est aussi délétère ? Oui, s'il y a une valeur aux États-Unis qui est vraiment cardinale, c'est la liberté individuelle. Et moi, si je me rapproche d'une étiquette, même si je ne les aime pas trop, c'est celle de libéral, de l'ancien terme. Et je pense que les femmes ont le droit de mettre absolument ce qu'elles veulent. Vous seriez plus américain alors ? Non, non, non. Mais moi, j'aime bien l'étiquette de franco-américain. Vous savez, mais je n'ai
pas la citoyenneté américaine, je suis français avant tout. Mais vous dites d'ailleurs, Cécilia Thias, dans le début de votre livre, vous dites que l'un des objectifs de ce dialogue, vous dites « Pourquoi la société dont je rêvais enfant s'est-elle transformée en communauté qui refuse de dialoguer ou le font par agressivité interposée ?» Quand vous arrivez en France, est-ce que vous avez le sentiment que... J'ai l'impression que les vrais sujets, on les aborde sans la raison, sans la tolérance, sans la distance. Le port du voile, c'est un vrai problème. C'est vrai que ça me pose un problème de marcher dans les rues et de voir des femmes voilées. Mais si je vais en Arabie Saoudite, ça me paraît normal que je respecte ce qu'ils souhaitent et je porte l'abaya. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder, il faut savoir essayer de remettre dans le contexte un petit peu tous ces problèmes-là. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile d'y mettre trop de passion. Les États-Unis, pour ça, sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que les États-Unis. Vous hésitez, vous n'avez pas envie de couper votre mère. Hein. Non, pas du tout. Moi, je vois très bien à quoi il veut réagir. C'est pour ça que j'essaye d'aller vite pour l'empêcher de rebondir. C'est ça, on sent un petit jeu. On est entre amis ici, c'est intime. Ouais. Non, mais la question d'agressivité politique dans le livre, je pense qu'elle fait surtout référence à l'agressivité qu'on voit notamment dans les universités du nord-est du pays, où il y a un vrai problème sur le libre-échange. Il y a un vrai problème. Les étudiants disent qu'on marche sur des œufs, qu'on ne peut pas s'exprimer. Je voudrais y revenir, parce que vous le dites d'ailleurs dans le début de votre livre, vous racontez ce climat d'autocensure dans votre université à New York. Vous avez été confronté à des cours de biologie qui ont été interdits, racontez-nous. Alors pas moi, mais ça c'est sorti dans les journaux. Il y avait une biologiste, une femme d'ailleurs, l'ironie de la chose, qui a été huée. Il y avait des manifestations quand elle faisait ces interventions parce qu'elle expliquait, je crois que le chiffre, je ne suis pas expert, hein, loin de là, mais c'est 6500 différences biologiques entre le corps d'une femme et le corps d'un homme. Et tout ça a été très mal pris de ce qu'on appelle la troisième vague des féministes qui n'a pas apprécié ça du tout. Ça veut dire que vous avez le sentiment que cette autocensure que vous avez vue, constatée aux États-Unis, est-ce que vous trouvez qu'ici, en France, vous avez vu ces dernières semaines que Sylvia Nagasinski, qui devait s'exprimer sur les questions du corps humain, a été interdite de s'exprimer à l'université de Bordeaux, qu'il y a une formation qui devait avoir lieu à la Sorbonne sur la déradicalisation ? Vous trouvez pas que ces propos étaient très violents ? Les propos de ? Sylvia Nagasinski. Alors, donc vous estimez que c'est normal qu'elle n'ait pas... Non, je trouve qu'il faut lui laisser la parole, et c'est normal, je veux dire, on est dans un, Dieu merci, dans une démocratie dans laquelle on a le droit de dire ce qu'on pense, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous ne croyez pas qu'il faut essayer de raison garder, et d'essayer de mettre moins de violence et d'agressivité, de termes qui peuvent frapper, qui peuvent choquer, qui peuvent faire du mal à des gens. Pour vous, elle-même avait provoqué en quelque sorte cette violence. Mais bien sûr, moi, ce sont des propos qui sont tellement, tellement disproportionnés et tellement, tellement loin de ce que ça devrait être. Mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut accepter des propos comme cela ? Donc laissons-la parler, mais faut peut-être qu'elle réfléchisse un petit peu. Alors, il n'y a pas de désaccord là-dessus, et puis on est d'accord avec, pas d'accord avec n'importe quel propos. Je reviens sur l'intervention de Gaspard Koenig il y a quelques jours sur l'antenne de Mouloud Achour, que j'aime beaucoup, et il dit, mais vous savez, même les pires déclarations, même les islamophobes, etc., il faut les laisser parler, parce que est-ce qu'on a si peu confiance en la raison humaine qu'on ne peut pas débattre avec ça? Enfin, c'est quand même pas difficile de débattre avec un raciste ou un islamophobe. Justement, sur cette question de PMA et de GPA, c'est un des points sur lesquels vous avez beaucoup évolué, vous le dites, Cécilia Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui non seulement favorable à la PMA, mais aussi à la GPA, qui est légale aux États-Unis. Alors, elle est légale aux États-Unis, je pense. Bon, en France, le débat est extrêmement difficile, on est en plein dedans. Là encore. On revient, c'est un des tournants importants de notre société. Aux États-Unis, tout ça a été géré, réglé, et je ne pense pas que ça fasse des gens extrêmement malheureux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, des questions d'identité, etc. Mais quand on voit des familles qui sont des familles nées de la GPA et qui sont tellement heureuses et qui vont tellement bien, est-ce que ce n'est pas le plus beau, la plus belle récompense et la plus belle des réponses? Donc pour vous aussi, il faudrait non seulement autoriser la PMA, mais aussi la GPA? Non, moi je réserve le droit d'être déchiré sur le sujet. D'un côté, je pense que la question, c'est le consentement individuel. Et j'ai du mal à voir que le gouvernement censure, même après le consentement de tous ces individus. Mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de voir que seulement les couples qui aient accès à la réserve monétaire puissent accéder à ces services-là. Il y a un autre point sur lequel vous avez évolué, et vous avez évolué là-dessus grâce à votre fils, c'est la légalisation du cannabis. Vous êtes pour maintenant. C'est pas que je suis pour. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que vous Il m'a sorti On en parle. On en parle. Voilà, vous avez partagé avec elle, parce que vous dites que vous fumez vous-même. J'aurais bien aimé. Alors c'est pas du tout pour ça que je supporte ça. Ça m'est arrivé trois ou quatre fois, mais sans exception. Les idées restent les mêmes. Vous savez, dans ce livre notamment, les idées sont bien plus intéressantes que les individus. Mais la première conversation qu'on a eue là-dessus, tu t'es buté. Ça veut dire que c'était, je parlais à un mur. Et c'est vraiment ça la beauté de la conversation. C'est après, on continue, on sort des arguments, on s'envoie des articles, on se recommande des livres, et petit à petit, et c'est le crédit de ma mère, hein, elle a changé d'avis là-dessus.
là-dessus et j'en suis un petit peu fier. Je suis un peu le résultat d'une éducation qui était très stricte à mon époque. Voilà, c'était, mes parents nous avaient présenté ça en disant c'est la mort est au bout, il n'y a pas de solution. Et puis tout dans le même sac, c'est-à-dire on mettait le cannabis à côté du LSD, à côté de la cocaïne à l'époque. Tout ça faisait une seule et même poche dans laquelle si on mettait le doigt dedans, on allait mourir. Et puis c'est vrai que Louis m'a expliqué un certain nombre de choses, force d'argument, et ça c'est exactement les discussions dans lesquelles nous parlons dans le livre. C'est qu'à force d'en parler et d'essayer de me raisonner, de me montrer des arguments et de me parler notamment du Portugal où c'est dépénalisé et les résultats qui en découlent. Il y a presque une pédagogie dans votre livre, parce qu'on avance de lettre en lettre pour on voir aussi l'évolution de votre raisonnement et parfois de vos positions. Il y a un point sur lequel vous partagez les mêmes doutes, ou en tout cas on sent poindre une forme de malaise, c'est sur MeToo et le féminisme. Alors là, étonnamment, vous qui êtes une figure aussi de femme, on vous a suivi comme voulant être une femme assez libre, vous refusez le terme de féministe. Je trouve qu'il peut être caricatural. Moi, je suis pour une égalité totale. Fameux plafond de verre avec travail égal et salaire inégal, c'est pas pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait une égalité totale et que ça soit les compétences qui soient la différence. C'est-à-dire, on invite quelqu'un. Je me rappelle de tous ces panels dans lesquels je suis invitée, que de femmes. La dernière dans la journée, la plus petite pièce, parce qu'il faut un panel de femmes pour se donner. Le sujet, c'est les femmes. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience. Exactement. Aux femmes. Oui. Voilà, pour se donner bonne conscience. Non, j'aimerais que ça n'existe plus. Je voudrais simplement que les femmes soient comme les hommes, dans des panels qui soient mixtes, et qu'on invite les femmes pour leurs compétences. Ça soit même pas une question. Bien sûr que ça soit même pas une question. Pour leur sexe. Ça me rappelle la phrase de Marie Stuart que j'aime beaucoup, qui dit je ne veux absolument rien savoir sur les droits de la femme et je ne veux rien savoir sur les droits des hommes. Tout ce que je veux savoir, c'est les droits humains. Il y a très longtemps déjà. Donc. Oui. Sur le mouvement MeToo, sur cette libération de la parole des femmes, qui est née d'ailleurs aux États-Unis où vous vivez, là aussi, vous trouvez que ça va peut-être un peu trop loin. En tout cas, vous avez une sorte de distance et d'inquiétude. Je pense que c'est bien qu'à un moment donné, les gens aient parlé et qu'on ait raconté ce qui s'est passé et qu'on ait réussi à régler, pas à régler, mais en tout cas à rentrer dans ce problème qui est un vrai problème. Et aux États-Unis, ça prenait des proportions absolument incroyables. Mais maintenant, c'est comme un balancier. J'ai l'impression qu'on est parti de l'autre côté. Un côté peut-être trop excessif. Écoutez, quand une femme est engagée dans une société aux États-Unis, elle signe un papier comme quoi elle n'aura pas de réunion tête-à-tête avec son patron sans qu'il y ait une tierce personne. On lui explique qu'il ne faut pas qu'elle prenne un ascenseur s'il y a un homme et si elle est seule avec cet homme. Enfin, moi, je fais confiance aux femmes. Il faut simplement essayer maintenant de revenir à une simple raison. Et vous, avec votre génération, avec vos relations avec les femmes, la drague, est-ce qu'aux États-Unis et en France, puisque vous dites effectivement comme si les États-Unis nous avaient devancés et avaient été trop loin avant nous, est-ce que ça vous le ressentez ? Absolument, absolument. Alors, j'ai aucune victimisation, aucune exagération. Tout cela, c'est des dérives et on parle de ça dans le livre comme des dérives. Déjà, on souligne la fraîcheur d'un mouvement comme MeToo. Des hommes en position de pouvoir se font rappeler à l'ordre. Tout ça est assez exceptionnel. Mais après, je vous dis déjà, c'est dur d'aller essayer de draguer une jolie fille dans la rue. On a les mains moites, on a les jambes qui tremblent. Enfin, tout ça compliqué, mais en plus, si on doit craindre que le moindre compliment, que le moindre droit d'opportunité peut être caractérisé de quelque chose qui n'est pas du tout une agression ou n'importe quoi, c'est désastreux. On arrête de se parler alors. Parce que j'ai été assis dans des cours d'université où on m'a dit qu'un compliment qui n'était pas le prêt, qui n'était pas le bienvenu, ça consistait à une agression sexuelle. Et ça, c'est insupportable. Vous vous êtes retrouvé dans des situations où vous vous êtes dit j'ai été trop loin, ou en tout cas, elle a l'impression que j'ai été trop loin. Non, mais rien que le fait de se poser la question, ça souligne le problème. Parce que c'est très clair ce que c'est une agression sexuelle. On ne devrait pas, si on a aucune de ces intentions néfastes et assez dégueulasses, se douter nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, la drague, c'est très compliqué, c'est très stressant, etc. Mais si on rentre dans le débat en disant c'est peut-être une agression, là, on ne se parle plus. Et même de ça, vous parlez entre vous, de la drague. Oui, parce que le sujet de ce livre, c'est la conversation et c'est le désaccord. Et on s'est fait la remarque il y a quelques jours. D'ailleurs, il y a très peu de tabous entre nous. Et c'est très bien comme ça. Vous savez combien d'enfants rêvent d'ouvrir une conversation avec leurs parents et puis parfois parce qu'il y a un drame qui se passe. Enfin, non, moi, je suis très content d'avoir fait casser la pudeur. On sent que vous l'avez effectivement cassé la pudeur. Il y a un point sur lequel vraiment c'est quasiment impossible de vous mettre d'accord, c'est la religion. Là-dessus, on sent que c'est deux points de vue. On n'est même plus dans le rationnel, je dirais. On est vraiment dans quelque chose où vous essayez d'argumenter l'un comme l'autre. C'est là où il y a le respect de l'autre aussi. Mais ça se heurte à une difficulté. Vous, Cécilia Attias, vous êtes à mi-chemin entre votre éducation catholique et la religion juive de votre mari et des maris de vos fils. Vous, Louis, vous tentez de démonter jusqu'au refus de manger du porc. C'est-à-dire qu'à un moment, on est presque dans la provoque chez vous quand même.
Oui, vous savez... Là, vous allez vraiment chercher... Oui, parce que c'est bien de provoquer quand c'est gentil. Vous défendez le cochon. Oui, je défends le cochon, parce que le cochon est très utile, très utile pardon, de son nez à sa viande, à sa peau, etc. Mais pour la provoque, vous savez, on vit dans un monde nouvellement séculaire. Un petit peu, c'est assez récent sur l'échelle humaine. Et pendant des centaines, si ce n'est des milliers d'années, les dérives religieuses nous dominaient absolument tous. Donc nous, non-croyants, on profite un peu du changement de temps ces centaines ou 200 dernières années pour faire un peu d'humour dans ce monde. Vous avez de la peine qu'il ne croit pas votre fils ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai de la peine ? Je pense qu'il évoluera, je pense qu'il changera. Je ne pense pas qu'il devienne un jour extrêmement croyant, fervent, mais je pense qu'à 22 ans, on n'a peut-être pas les mêmes positions et la même, on n'aborde pas ce problème-là de la même façon. Elle a pas renoncé, hein, votre mère. Non, mais je suis pas. Vous trouvez un autre désaccord entre nous. Mais je pense que les idées restent les mêmes que j'ai 22 ans ou quand j'en ai 45. Et d'ailleurs, la plupart des idées. C'est un autre livre. Ne sont pas les miennes. On suivra le tome 2. Non, mais c'est là où il faudra trouver un autre invité sur ce plateau avec maman. Mais si je te mettais maman en face de Sam Harris ou Christopher Hitchens, je ne pense pas que tu sortirais leur âge comme argument pour réfuter leurs idées. Alors je trouve ça un peu injuste que tu non, le fasses avec tu moi. Tu as raison. Il n'est pas d'accord avec l'argument de l'âge. Non, il n'est pas d'accord avec l'argument de l'âge. Encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être un élément de langage, mais les idées sont plus intéressantes que les personnalités. Oui, sauf que vous ne pouvez pas, évidemment, nier le fait que c'est vos personnalités qui font aussi que ce livre a de l'intérêt. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a envie d'entendre votre dialogue ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de comprendre ? C'est aussi parce que vous avez fait partie, je le disais, du quotidien des Français. Vous avez partagé beaucoup avec eux. Et bien sûr, il y a une troisième personne qui manque, au fond, ici, mais à qui vous dédiez ce livre, c'est votre père. Nicolas Sarkozy, est-ce que ce livre, au fond, c'est aussi pour lui dire ce que vous n'osez pas tout à fait dire en sa présence, parce qu'on sent que votre parole est très libre d'un côté, mais que de l'autre, il y a une sorte de timidité quand même, vous le dites. Vous parlez moins à table. Un peu ou différemment. Et oui, il y a une timidité, il y a surtout un respect énorme, mais vous savez... Un peu écrasant, on a l'impression même sur l'aspect. Non, pas du tout comme ça, pas du tout comme ça. Et puis, si je voulais lui dire quelque chose... C'est infiniment plus facile de lui faire devant lui que plutôt de l'écrire dans un livre. Et je trouve ça avec beaucoup plus de pudeur. Non, pas du tout. Aucun écrasement. Au contraire, c'est le dialogue aussi. Mais c'est juste que quand on a une personnalité comme ça devant soi, même en étant son fils, on est assez constamment. Vous avez eu besoin, à un moment, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, de trouver votre propre voix, y compris en prenant un nom anonyme. Vous vous êtes fait appeler Louis Adam dans votre école militaire. Ouais. Cécilia Sarkozy, est-ce que c'était quand même une souffrance de vivre avec un homme politique, vous qui, dont on le sent dans ce livre, vous auriez aspiré à être une femme politique ? Alors, une souffrance, non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit le terme approprié, pas du tout. Moi, j'ai travaillé à ses côtés pendant des années. Je suis passionnée de la chose politique, c'est vrai. Ça n'est jamais... C'est tellement passionnant si on met ça, si on explique vraiment en quoi ça consiste et qu'on essaye d'enlever toutes les dérives. La chose politique est extraordinaire. C'est ce qui nous gère, qui gère le pays, gère les gens. Et que ça soit l'éducation, que ça soit les arts, que ça soit la sécurité, tout ça est géré par la politique. Donc c'est vrai que c'est passionnant et que j'aurais aimé probablement un jour exercer un mandat. Si vous n'aviez pas été femme d'eux, vous auriez pu le faire, vous pensez ? Probablement. Donc il y a encore un pas dans l'égalité homme-femme, en tout cas. Oui. On parle pendant sa campagne. Alors. Voilà, mais justement la campagne, on sent quand même que tous les deux, la chose publique, alors vous vous dites, oh, on verra dans 2035, mais presque avec une sorte de pirouette, vous le voyez déjà comme un homme politique ? Non, je ne le vois pas comme un homme politique. Je vois qu'il a tous les ingrédients pour devenir un homme politique. Après, c'est à lui de faire ses choix et de décider ce qu'il fera de son avenir. Et là, d'ailleurs, il rentre dans le privé, donc il n'est absolument pas question de ça. Mais je pense qu'il a tous les ingrédients qu'il faut pour faire un homme politique. Et pour votre père, est-ce qu'il y a encore un avenir politique ? Il faudra lui demander lui-même. Vous savez, je suis le dernier à savoir. Et le climat en France, on en parlait, le climat notamment aussi des affaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous pèse quand vous revenez en France ? Vous savez, je le vois pas souvent. Et c'est la dernière chose dans nos esprits quand on se voit. On est bien plus apte à parler de choses bien plus intéressantes ou du PSG, par exemple. Je sais pas si vous avez vu le classique il y a quelques jours. Bah oui. On peut en parler. Dimanche quand même, soir, quand même. 4-0, c'est d'une violence inouïe. Pardon à tous les Marseillais. Et ça vous rend très heureux. Une dernière question, est-ce qu'elle vous manque, la France ? Parce que finalement. J'ai jamais vraiment complètement quitté. J'habite aux États-Unis depuis 13 ans, mais je reviens régulièrement. Donc je viens trop souvent pour qu'elle me manque. Et vous ? C'est parfait le petit mix qu'on a un peu entre les deux. On a beaucoup de chance de l'avoir, mais trop de temps à New York, Paris nous manque. Trop de temps à Paris, New York me manque. Mais moi, je suis émerveillé constamment quand je marche dans ces rues parisiennes. Et vous votez toujours en France ? Oui, absolument. Voilà. Ouais. Tous les deux. Cécilia Attias, Louis Sarkozy, merci d'être venu partager votre dialogue merci avec nous. Une envie de désaccord, c'est chez Plon. L'actualité continue sur RMC et BFM TV.